C'est le 150e anniversaire de la commune. Il y a le 18 mars 1871, les communards qui avaient repris leurs canons sur la butte Montmartre sont venus ici jusqu'à l'hôtel de ville pour décréter la commune. Le style que vous voyez s'inspire beaucoup du bâtiment Renaissance et est très proche donc quand même du bâtiment de 1871. L'hôtel de ville était le cœur battant de Paris et de ses révolutions depuis le Moyen Âge. La monarchie et les empires, d'ailleurs, n'avaient eu de cesse de limiter les pouvoirs. La commune, ça porte toujours des idéaux socialistes, pluralistes, intéressants. Et c'est aussi un exemple où le peuple de Paris a agi concrètement pour prendre ses affaires en main, alors que la bourgeoisie de l'époque l'avait abandonné face aux Prussiens. En 72 jours, ils ont fait déjà tout ça. La reconnaissance de la laïcité, de la paix, des communes libres dans Paris, c'est quand même des services très importants. Et c'est là-dessus qu'on se base pour le service public qu'il faut défendre absolument. Surtout pour rendre hommage aux 30 000 victimes, c'est-à-dire les femmes, les hommes aussi et les enfants qui se sont battus juste pour avoir un peu de pain et un tout petit peu de liberté et une petite qualité de vie. Enfin, ils n'en avaient aucune. C'était des bêtes de somme. Donc moi je trouve que c'est ce point-là surtout qu'on devrait soulever. C'était le droit de vivre un petit peu dans des conditions acceptables, parce que ce n'était pas le cas à l'époque. Que dévalise le travail dans les coffres forts de la banque. En 71, que depuis le palais où à Louis XIV, Monsieur Terra fondit quelques canons de bronze. Ce à quoi j'espère pour le présent ici, c'est pleinement dans l'héritage de la commune. Donc tout ce qui est la question du socialisme plutôt révolutionnaire, donc avec tout ce qui est expropriation des grandes entreprises, etc. Et puis aussi l'aspect communaliste. C'est quelque chose d'important que la Commune de Paris, parce que une partie du programme de la Commune de Paris, avec des avancées sociales qui ont été esquissées, reste encore à achever. Et pourquoi c'est important d'être ici? Pour aussi l'aspect commémoratif, parce qu'en ce moment il y a un peu une bataille sur les commémorations entre la droite et notamment le président qui est plutôt tendance il faut commémorer Napoléon Ier, alors que c'est clairement un réactionnaire, un tyran quoi, et qui a rétabli l'esclavage notamment. Alors que dans le même temps, il y a aussi cette commémoration des 150 ans de la Commune. Donc je pense que c'est important de choisir son camp et on ne peut pas être à la fois commémorer Napoléon Ier et à la fois commémorer la Commune de Paris. À un moment donné, il faut faire un choix. Une vie de Paris a gueulé vers le ciel et laissé sa jeunesse dans un bagne pourri. Comme si vous luttez, saluez Louise Michel. Et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi.